virus Ebola appartient à une famille virale très particulière qui renferme en fait des virus qui ont la forme d'un fil. C'est pour ça qu'on l'appelle en fait les Filoviridae. Donc il y a Ebola et Marburg. Voilà. Donc ces deux virus qui ont été découverts il y a à peu près 40 ans, dans les années 60, sont responsables d'épidémies épisodiques qui touchent essentiellement le continent africain et surtout la partie centrale de l'Afrique. Et donc pour en revenir au virus Ebola, qui a été découvert ou identifié pour la première fois en 1976, et il est subdivisé lui-même en plusieurs espèces. Et sur le continent africain, on en a déjà identifié 4. Et parmi ces espèces-là, donc, il y a l'espèce qu'on appelait avant Zaïre, qui est maintenant donc, dénommée virus Ebola, au sens strict, et l'espèce la plus pathogène et la plus dangereuse pour l'homme. Et c'est l'espèce qui a été responsable de toutes les épidémies survenues en Afrique centrale depuis 1976. Alors, l'Afrique centrale, il y a essentiellement 3 pays qui ont été touchés. Donc la RDC, bien évidemment, donc, qu'on appelait avant Zaïre, à plusieurs reprises, à 76, 95 avec la grande épidémie à Kikwit, et les épidémies de 2007 et 2008. Et enfin, le Gabon et la République du Congo, donc le Congo-Brazzaville, à partir de 95, 96, 97, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005. Voilà, jusqu'au jour d'aujourd'hui, enfin, jusqu'à l'apparition de l'épidémie en Afrique de l'Ouest, c'était les seules épidémies. Et finalement, donc en 2014, on a eu cette émergence pour la première fois en Afrique de l'Ouest de cette espèce du virus Ebola qui est responsable aujourd'hui d'une épidémie de très 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 grande ampleur. Et parallèlement, donc à la fin du mois de juillet, on a eu cette émergence de foyers épidémiques différents évidemment de celle de l'Afrique de l'Ouest, cette émergence qui est survenue donc en République démocratique du Congo, et plus précisément donc dans sa partie nord, dans la province de l'Équateur, qui n'est pas très loin de la République centrafricaine, et également de la République du Congo, donc du Congo-Brazzaville.